Lors de séminaires ou lors de coaching, je rencontre souvent des personnes qui, lorsqu'ils veulent mettre en place un nouveau projet, alors ça peut être un projet professionnel, mais aussi je vois des personnes lorsqu'ils veulent se lancer dans la méditation par exemple, ou se lancer dans la croissance individuelle, eh ben, ne savent pas par où commencer. Et ne savent pas comment commencer ou ne savent pas avec quelle durée. Enfin, y a tout un tas de questions qui tournent autour. Oui, mais par exemple pour la méditation, mais c'est combien de fois par jour et combien de temps? Et personnellement, moi j'appelle ça, je dis que ce sont des questions de l'ego. Et c'est vraiment des questions de l'ego, c'est du sabotage mental. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans notre zone de confort, eh ben, on voudrait que tout soit bien parfait. Mais c'est dans notre zone d'inconfort que la richesse se trouve, la richesse de notre réalisation se trouve. C'est pour ça que j'appelle du sabotage mental. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est accessible à chacun dans chacun des zones de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez et nous avons tous les réponses en nous, les réponses à nos problèmes, les réponses à nos questions sont à l'intérieur de nous. Et ce qui empêche en fait la réalisation d'un projet ou d'aller de l'avant, c'est juste parce qu'on porte notre regard sur les résultats, sur la finalité. Par exemple, sur la méditation, c'est ben, d'arriver à méditer, voire même de devenir un Bouddha. Hein, et ben, on dit, oh là là, quel travail! Ou quand on veut lancer un projet, et moi je le vois bien dans les projets internationaux qu'on a lancés avec EcoPro ou Soil in the Mind, c'est des longs projets qui demandent des années de préparation. Imaginez que si à chaque fois on portait notre attention sur la finalité, il y a de fortes chances qu'on s'arrête dès le début, voire au milieu. Donc ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo, c'est juste c'est comprendre une loi, cette loi qu'on appelle la loi des 1% à Soil in the Mind. C'est comment appliquer cette loi des 1% pour être sûr de pouvoir réaliser n'importe quel projet que vous voulez réaliser, mais surtout de pouvoir mettre en place les actions que vous voulez vraiment mettre en place et qui vous correspondent. Bonjour, je m'appelle Mickaël Musso, je suis le fondateur de Soil in the Mind. Bienvenue à tous les Soulminders et bienvenue aussi à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, la loi des 1%, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, c'est penser tout comme une méditation, vous avez un début, un milieu et une fin. Dans notre vie, toute l'impermanence, c'est la même chose, nous avons un début, un milieu et une fin. La loi des 1%, c'est la même chose, c'est 1% au début, 1% au milieu et 1% à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire simplement faire de son mieux. Faites juste de votre mieux, mais de votre mieux à tout moment, de votre mieux au début, de votre mieux au milieu et de votre mieux à la fin. Et faire de son mieux, c'est quoi? C'est dans chaque geste que vous allez mettre en place, c'est d'investir votre potentiel. Investissez le maximum de vous-même dans chaque action, dans chaque moment, dans chaque prise de décision. Soyez authentique avec vous-même et faites tout en de votre mieux. Ne cherchez pas à regarder le résultat, ne cherchez pas à regarder dans le futur. Regardez là maintenant, qu'est-ce que je peux faire là maintenant dans l'action que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant dans la communication que je vais avoir avec l'autre? De quelle façon est-ce que je vais pouvoir parler? Si vous devez préparer un projet par exemple professionnel, vous avez par exemple un compte rendu à rendre et que ben, il vous reste une heure pour le rendre, si vous focalisez sur le résultat ou dans l'heure à venir, il y a de fortes chances que vous allez tétaniser et puis ben, paniquer. Alors que si vous vous focalisez sur là maintenant, qu'est-ce que je peux faire de mon mieux? Comment est-ce que je peux préparer ce compte rendu là maintenant du mieux avec des couleurs, avec du dynamisme? Là, vous allez pouvoir, c'est ce qu'on appelle, faire de votre mieux et appliquer cette règle des 1%. Pour ça, il faut vraiment avoir foi en soi, foi en ses talents, foi aussi en son feu intérieur et puis ben, bien sûr, foi en la vie parce que vous allez mettre des actions en place, mais tout n'est pas sous votre contrôle. Donc, ayez foi aussi aux événements autour de vous qui vont se produire et puis ben, laissez le flux de l'existence prendre sa place. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en vos talents, ayez foi en votre feu intérieur, ayez foi en la vie. Alors, les 1% au début, c'est quoi? Eh bien, c'est commencer maintenant. Hein, vous avez un projet, vous avez une idée, n'attendez pas demain, n'attendez pas dans une semaine, c'est commencer maintenant. Commencer, c'est quoi? C'est à écrire les idées, à poser la première pierre, à appeler un ami pour lui expliquer, lui dire voilà ce que je voudrais faire, qu'est-ce que tu en penses, et commencer là, maintenant. C'est ça les 1% au début. Les 1% au milieu, c'est quoi? Eh bien, c'est la consistance, l'assiduité dans vos actions, je dirais aussi la discipline. Et même si c'est petit, c'est pas grave.
mais chaque jour, un pas chaque jour et sans arrêt. Par exemple, si vous voulez écrire un livre, eh ben il vaut mieux écrire tous les jours entre 500 et 1000 mots que attendre une semaine et puis vous mettre à écrire 3000 mots et puis pendant une journée, deux jours, trois jours, ne rien écrire et attendre encore une semaine de 3000 mots. Non, il est préférable de faire, c'est ce qu'on appelle les 1% au milieu. Le 1% au début, c'est quoi? C'est que vous avez décidé de faire le livre, donc vous décidez le line-up, c'est-à-dire tout le processus du livre. Tous les chapitres, vous mettez les gros points, l'histoire, le défilement de l'histoire. Et au milieu, c'est de décider que chaque jour, vous allez écrire par exemple entre 200 ou 500 et 1000 mots, ou entre 200 et 1000 mots. C'est ça les 1% au milieu. Et les 1% à la fin, c'est quoi? Eh bien, je dirais que de mon point de vue, les 1% à la fin, c'est ce qui est le plus important. C'est brûler le dernier 1% qui va vous mener à l'excellence. Parce que souvent, quand on met en place un projet, le projet éclot, le projet grandit, et puis il a pris forme. Et puis après, on ne donne plus autant d'énergie dans ce projet. Alors que c'est ici qu'il faudrait donner ce 1% supplémentaire pour pouvoir atteindre l'excellence dans votre projet. C'est pour ça que je parle de 1% au début, au milieu et d'1% à la fin. Parce que l'excellence, c'est quoi? L'excellence, c'est tout simplement de ne plus être rêveur, mais de vivre ses rêves. C'est vraiment une différence. D'ailleurs, je voudrais vous donner une citation de Chris Carmichael, qui était l'entraîneur de Lance Armstrong, qui a été 7 fois champion du monde du Tour de France. Et dans sa citation, il dit « Le dernier 1% que la plupart des gens gardent en réserve est ce petit surplus que les champions ont le courage de brûler. » Et cette citation est vraiment formidable parce qu'elle décrit vraiment ce 1% à la fin que malheureusement beaucoup de personnes oublient. On a ce 1% au début, on a cette force, cette rage initiale. On a les 1% au milieu parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de réaliser. Et puis quand la réalisation est faite, il n'y a plus cette force intérieure, il n'y a plus cette foi intérieure pour pouvoir atteindre l'excellence dans ce qu'on veut faire. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Rappelez-vous, c'est vraiment simple, c'est 1% DMF, au début, au milieu et à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé. N'hésitez pas à nous commenter et à vous inscrire si vous voulez continuer à nous suivre. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre blog. Vous avez le script de cette vidéo qui est sur notre blog si vous voulez le lire. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.